There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire regained. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is another one. Et salut tout le monde, c'est UnderXL. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'étais un peu farmé pour avoir du Groot. Parce que souvenez-vous, la dernière fois on s'était lâché et je commençais Tinker. Donc là je regardais combien il m'en fallait, je suis déjà à 8. Ça commence à augmenter. Et en fait il faut faire des Secret Bricks si vous vous en rappelez. Mais pour faire des Secret Bricks, je vais vous le montrer. Pour faire des Secret Bricks, donc voilà, il faut 4 de C-Red Brick et ça se fabrique avec du Groot qu'on cuit. Et le Groot, bah, ça se fabrique comme ça. C'est pour ça que vous voyez que j'ai de la clé, du sable et tout ça dans mon inventaire. Le gravier, il est un peu plus rare. Enfin, si je commence à miner, il y en aura sûrement en veux-tu, en voilà. Mais j'ai déjà commencé. Donc je vais faire cuire tout ça et on se retrouve tout de suite après. Et me revoilà, donc j'ai un peu été cuire tout ça, il en reste encore un peu qui est en train de cuire. J'ai été gratter du bois à gauche et à droite parce que je savais plus trop où il y en avait. Donc on va déjà commencer à faire ce qu'on a besoin. Donc on avait besoin de ça, de ceci, on avait besoin d'un comme ceci. Et attendez que je regarde... il me reste plus que le Smeltery Drain et le Secret Tank. Alors, attendez. Smeltery Drain, voilà. Donc ça, c'est pas compliqué. Je peux vous le faire tout de suite. Hop, voilà. Et ensuite, il reste le tank. J'espère que j'en ai encore assez. Je n'ai plus de quoi cuire. Sinon, j'ai encore assez. Alors là, ça pose un souci. Attendez, je vais regarder si j'ai pas quelque chose qui peut cuire là-dedans. Ou bien, attendez, je vais sortir, ce sera plus rapide. Oula, des petits coups de lag. Ça arrive de temps en temps, j'ai pas encore changé mon processeur. Oh, mais... Oh. C'est intéressant tout ça. Notre petit câble. Oh, en plus, il fait nuit, génial. Et on est déjà attendu dehors. Bon, je vais essayer de me débrouiller parce que je n'ai plus d'épée, j'ai plus rien. C'est génial. J'essaie de vous retrouver après. J'essaie de survivre à cette nuit parce que je suis sûr qu'il va me suivre ce squelette. Ah non, il me suit pas. Attendez, on va utiliser la technique anti-squelette. Aïe. Aïe. Il fait mal. Voilà, ici normalement il devrait plus m'attaquer. Bon, je vais rester un peu avec vous pour que vous voyez ma galère habituelle. En espérant qu'il n'y ait pas un zombie ou autre chose qui spawn. Oh, j'espérerais trop qu'il me drop son arc. Ce serait le truc le plus génial du monde. Bon, il reste plus qu'un cœur. Et voilà. Il m'a rien droppé, radin. Je vais manger une papaye. Hop. Je vais prendre ça, j'espère que ça pourra terminer au moins le Groot. Oula, j'aime pas ça. J'avais raison de pas aimer, c'est un zombie. Bon, je vais redescendre là-bas, j'espère que ça va suffire pour cuire le reste du Groot. Attendez, burning time 300. Ah oui, non, je fais direct des planches, parce que c'est 300 tous les deux, et là je peux avoir 4 fois 300, donc c'est tout de suite mieux. Bon, on va essayer de se dépêcher pour récupérer le reste du Groot. Parce qu'il m'en faut 8. Donc ça, j'ai farmé tout ce qu'il fallait à ce niveau-là. Ici, je regarde qu'est-ce que je pourrais faire. Mais pour l'instant, je peux pas faire grand-chose. On va aller regarder en même temps si les plantes à côté ont poussé. C'est pas une mauvaise idée. Il en reste plus 4 à avoir. Ça fait déjà de 1. 2. 3. Et il y en a encore 2 qui traînent là-haut. Attendez. Par ici. Bon, les deux là, on sait pas encore avoir quelque chose. Ici. Oui, il me reste plus que ça. J'ai
déjà cuit la vitre. Parfait. Donc maintenant, on a enfin accompli cette quête. Il est temps. Parce que c'est vrai que ça fait un moment. Et pour pas faire de bêtises, voilà. Hop, claim reward, voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça nous débloque? Ah oui, il faut faire les castes. Aluminium. Attendez que je regarde. Oula. Ah oui, c'est vrai que. Attendez, hein. Je regarde en même temps que vous. Backpack pouch qu'il nous faut. Celle-ci. Ah oui, mais oui. Ça, il y a trop moyen. Attendez, il faut juste que j'ai une épée. Je vais mettre tout ceci ici dedans. Ça, je garde encore 5 minutes. Un bon truc, s'il vous plaît. Ouah, des laboratoires. C'est génial, de temps en temps, les drops qu'on peut avoir avec ça. Ah, je me demande si je sais pas avoir un truc. Je sais pas. Bon, je vais regarder s'il y a déjà dans la base moyen de faire quelque chose. Déjà manger, si ça veut bien. Ça a un peu de mal. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je n'ai pas de cuir. C'est déjà un souci, ça. Ici, je n'ai pas de cuir. Ah, par contre, j'ai des strings. Ça, c'est bien. Ouais. Je vais aller chercher du cuir et on se retrouve tout de suite après. Et me revoilà. Donc, ça fait quand même un petit moment que j'ai farmé ça parce qu'il faut pas oublier que je dois les farmer à la main vu que j'ai perdu tout mon stuff. Et j'aimerais bien réactiver ça. Franchement, ce serait génial. Un petit truc qui fasse de l'énergie. Comme ça, hop, je transfère dans un des deux là et ce serait vraiment génial. Parce que là, bah, j'ai pu accéder à ce que j'ai mis dedans. Mais un autre truc qui est bien, c'est que maintenant, hop, on peut faire la pouch. C'est quoi ça? Ouais, je vais regarder après. Ça pourrait peut-être être intéressant. Voilà. Donc on a. Bon. Inside the backpack. Hop. Non. Non, je sais pas. Je sais pas comment il fonctionne. Claim one. Je vais prendre ça. Ça a l'air d'être chouette. Hop. Et j'ai débloqué une arme. Je sais pas comment elle fonctionne. Ah, peut-être mettre. Je sais pas. Peut-être mettre quelque chose dedans et ça avec. Ouh, ça me plaît ça. Attendez. Magical crabs and the lacio ingot. On peut faire quoi d'autre avec ça? Ah oui, une épée pétée quoi. Mais oui. Oui. On peut faire pas mal de trucs pétés avec ça. Ah, par contre, là, j'aimerais bien en avoir deux de plus. Et peut-être. Attendez. Voilà. Ici. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça fait. Plus sûr, oui, non. Attendez, que je regarde parce que il y a des trucs qui ont l'air d'être intéressants ici. Ah oui, on peut faire pousser du cochon. Du mouton aussi. Mana steel, nether seed, aluminium, bronzeside, sulfur seed. Ça m'intéresse bien ce mode. Franchement, il y a moyen de faire de chouettes trucs avec. Attendez, maintenant qu'on dit qu'on peut faire de chouettes trucs avec, parfait. Voilà. On a enfin nos 12 ici, c'est parfait. Depuis le temps qu'on l'attendait aussi. Ah oui, ça débloque carrément beaucoup de trucs là d'un coup. Et oui. Alors là, par contre. Attendez. Il faut que je regarde certains trucs. Wick. Ici. Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Et j'ai reçu un message sur Facebook, ne faites pas attention à ça, je vais me dé... Ouais, je serais pas me déconnecter tout de suite. C'est pas grave. Oh, ça m'intéresse. Attendez, donc avec ça, on sait l'utiliser pour faire ça. Ah oui, mais une seule. Bon, ça m'intéresse quand même. Je pense bien que je vais prendre la Wiki Infusion. Hop, et c'est parfait parce que je reçois aussi ça. Bon, les crops, on s'en fout un petit peu. Et ça, clairement, je vais le réutiliser. Donc, attendez, il faut que j'aille tester un truc parce que là, faire des lingots après pour passer à ça. Et attendez, ça, on le fait comment encore ce truc? En récipise. Ouais, bon, c'est un peu plus complexe à avoir, il me semble, mais c'est pas grave. On va regarder ce qu'on peut encore faire comme quête aussi. Ouh, c'est le bordel d'un coup. Water can. Attendez. Ça, il y a peut-être moyen de faire. Voilà. Watering can. Non, c'est pas le crafter. Ah oui, bah, ça va. Ça, il y a moyen de le faire assez rapidement. Ah, on va peut-être avoir un peu de lag là d'un coup. Peut-être aller me faire un peu de roche. Et regarder s'il n'y a pas moyen de se faire des minerais aussi. Hop. Bah, je vais regarder pour aller un peu farmer. On a combien de temps? Ouais, ça y a moyen. Bon, on se retrouve tout de suite après que je regarde un peu à tout ça. Et me revoilà un petit peu plus tard, enfin un petit peu beaucoup plus tard, ça fait au moins 1 heure que je farme là. Et en fait j'ai remarqué dans les quêtes, justement, voilà, j'étais un peu trop loin. Et d'ailleurs j'ai fait ça aussi. Ah j'ai fait ça aussi. Je viens de le remarquer. Donc il fallait faire la coal seeds. Donc la coal seeds, je l'ai faite. Je vais prendre ça parce qu'après forcément je vais avoir plein de coal. Et attendez. Mince. Ça se met sur le dos, ça? Non, ça se met où? Ça s'ouvre? Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Donc en gros, j'ai un peu... Ouais, forcément, on sait pas se mettre dedans. Si j'arrive à changer, voilà. Ce qui est bien, c'est avec ça, je devrais plus sortir. Parce que forcément, bah, j'aurai directement le charbon ici à l'intérieur. Et j'ai remarqué qu'avec le charbon, bah, on peut faire plein de trucs. Regardez, au niveau des utilisations, avec des graines normales, on peut faire du sel. Avec du quartz, on peut faire du Certus quartz, ce qui est assez intéressant pour le plaid. Avec des carottes, on peut faire du quartz. Et le quartz y est encore plus intéressant après, je vous le dirai pourquoi. Ah ben voilà, justement, avec le quartz. On peut faire de l'iron, ce qui est hyper intéressant. Avec de l'iron et du charbon, on peut faire du tin. Avec du charbon et du tin, on peut faire du copper. Avec du charbon et de l'or, on peut faire de l'argent, etc., etc., etc. Et c'est hyper intéressant parce que, bah, au moins, on ne devra plus dépendre de tout ça. Donc, je vais sûrement virer un des champs, je sais pas. Pas lequel. Attendez. Le blé. Ouais, le blé, c'est... Non, c'est les carottes que je me sers le moins. Donc voilà, on va dégager les carottes. On va faire pousser ceci. Bon, ça, on s'en fout. Je vais tout jeter après. On va faire quelques crops en plus. Hop. Et on va le faire se développer au moins sur ça. Hop, si j'y arrive. Et je vais me débarrasser des carottes seeds. Enfin, je vais peut-être en garder une. Comme ça, je pourrais faire mes mutations après. D'ailleurs, quand ça va arriver là, je vais faire des mutations. Hop, voilà. Et en fait, je viens de remarquer que ce mod, donc Magical Crops,
et ben il nous rajoute plein de seeds différentes qui pourra assez bien nous avantager. Attendez que je trouve. Hop. Donc attendez, ben voilà, on peut aller jusqu'au diamant. Mais diamant, attendez. Voilà. Comment on fait le diamant? Avec redstone, ouais, voilà, on peut vraiment tout faire. C'est ça qui est génial. Le lapis, iron et surtout de score. Bon, je sens que je vais beaucoup m'amuser avec les mélanges de seeds et tout ça. Je sais pas combien de temps de vidéo on en est ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai deux clés. J'ai deux ici à claim. Oui, ça, je le prends direct. Strong Guide Fusion. Attendez, hein, que je regarde à quoi ça me sert. Hop. Bien sûr, je me trompe. Oui, mais à quoi ça peut me servir? Ouh, ça peut faire de l'impéric. Ah oui, quand même. C'est quoi? Ah oui, clairement. 12 points d'attaque. Ah oui, en fait, c'est hyper bien comme truc. Enfin, à chaque fois, il faut crafter le chair en dessous. Mais ça peut être relativement intéressant d'avoir déjà la pierre là. Oh, alors. Attendez, ça se crafte comment encore cette pierre? Ouais, non, en fait, c'est facile à crafter. Je vais prendre l'autre, peut-être que j'aurai une. Ah, bien sûr, j'ai tapé à côté. Bon, pas grave. J'ai des pierres. Ça a une durabilité, ces pierres-là. Elles sont faciles, vraiment très faciles à utiliser. Donc ici, ce que je vais faire, c'est pas mal farmer. Je vais essayer d'avoir de l'iron. Attendez, c'est de celui-là, on passe à celui-là. Voilà. En fait, avec celle-là, on sait faire les premières épées, comme on a vu. Il suffit de faire les Asio ingots. J'ai du mal ce soir. Il est quand même relativement tard. Et regardez, bah, clairement. Voilà, clairement ça fait du bien d'avoir des trucs comme ça. Et à chaque fois on peut réutiliser pour passer un chair au-dessus. Je pense que je vais pas mal farmer pour l'épisode 5. Ici franchement je sais pas combien de temps on en est. Ah, on sait pas aller plus que Lazio. Ouais. Bon, ça c'est pas grave. Il doit bien avoir. Attendez. Hop. Donc ça c'est le chair au-dessus. Il y a des furnaces aussi, ce qui pourrait être assez intéressant. On peut faire aussi des graines, ce qui serait plutôt rapide d'ailleurs. Et il faut à chaque fois le minerai. Bon, ici je sais pas trop à combien de temps on en est. Mais je pense qu'on a déjà un beau petit épisode. Je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous dis salut à tous!